Salut tout le monde, c'est Kirito de Solatolan France. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Memory Defrag aujourd'hui, toujours pour une petite multi-invocation, afin de fêter la sortie de l'anime Alicization. Donc du coup, donc on va aller voir un petit peu. Je vais pas vous redonner, enfin je vais pas donner les premières impressions, etc. Parce qu'on vient de faire un live avec Fourg là samedi. Où on vous explique un peu tout ça, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. On a même analysé, enfin, l'entrevue, un petit peu la bannière anniversaire de Kirito. On a analysé aussi la dernière bannière Halloween, en plus de Silica, bien sûr, qui est dans le ranking. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Et donc, du coup, on va faire la step 1. Donc, je ferai uniquement que la step 1 sur ce portail-là, de toute façon, parce que c'est pas un portail qui est indispensable actuellement. Donc juste pour célébrer la sortie de l'anime, on se fait la bannière à 125 MD, donc c'est-à-dire le step 1. Donc la step 1. Donc du coup c'est voilà, c'est parti, donc on y va. Donc ces personnages là en gros ils ont un auto-paring et peuvent récupérer leur vie. Donc voilà. Donc on a Ugeo et Kirito qui sont non élémentales et Alice qui est élément lumière. Voilà, donc Ugeo et Kirito sont à l'épée et Alice au rod, donc au bâton. Donc c'est parti, on y va. Donc en espérant que Argo nous continue sur cette bonne lancée. Ah oui, il y avait aussi une bannière gratuite pour la sortie de l'anime, mais je l'ai déjà faite. Si vous voulez voir le résultat de vive voix, vous pouvez le retrouver sur le live de Fourg. Vous n'aurez pas le visuel parce que je l'ai fait en vocal. Mais il n'y a rien eu. Donc dans tous les cas, que des 2 et 3 étoiles. Voilà. Donc il n'y avait rien eu pour cette bannière gratuite. Mais vous avez eu une bannière gratuite pour la sortie de l'anime. Donc voilà. Donc on y va, Argo. Donc la dernière bannière qu'on avait fait en tant qu'invocation, hein, c'était un rate-up, mais sur Asuna. Il y en avait eu Asuna. Donc est-ce que là on aura un des 3 ou plus, ou rien? Et ben on va voir. Donc c'est parti, on y va. Go, Argo, c'est parti. Bon, il y a l'air de rien avoir eu, donc bah écoutez, voilà, donc ok, donc pas de chance sur cette bannière là, donc on va skip un direct, on va pas attendre, ça sert à rien. Ok, donc il n'y a rien eu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 record crystal, 12 hacking crystal, excusez-moi. D'accord, bah tant pis, voilà, donc on n'aura pas c'est une cette chance d'avoir un petit personnage Alicization pour l'ouverture de l'anime. Mais c'est pas grave, voilà, l'invocation est faite. Plus qu'à attendre maintenant les futures bannières Halloween qui devraient arriver par la suite. Hein, parce que après celle-ci, normalement, il devrait encore avoir quelques autres parties. Apparemment, il y aura peut-être aussi d'autres bannières Alicization par la suite. Donc voilà, on reste à l'affût et on verra bien ce que ça donne. Allez, je vous laisse, c'était Kirito et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!